Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes le lundi de la première semaine des vacances de Noël. Donc qui dit première semaine dit vlog. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour un petit vlog des familles. Alors je suis pas du tout une pro en vlog, donc je pense que cette vidéo soit, ça sera du très sérieux, soit du n'importe quoi. Je pense plutôt que ça va être du n'importe quoi. Aujourd'hui du coup nous sommes le 20 décembre et du coup j'ai envie de vous emmener en petit vlog sur plusieurs jours avec moi. Voilà voilà. Dans cette vidéo il y aura également ma cousine Philippine, donc allez vous abonner à sa chaîne YouTube que je vous mets juste là. Normalement aujourd'hui on va filmer une petite vidéo pour sa chaîne YouTube, ça va être épique. Rosie accompagnée de Pimpin. Bonsoir. Si vous ne connaissez pas Pimpin, c'est mon lapin. Tout simplement. Puis, écoutez, moi j'ai juste envie de vous dire, c'est parti. On se retrouve, il est 10h45. Là, je vais chez ma mamie, je suis tout à la rue, je me chie dessus. Ah oui, c'est ça. Putain, je sais même plus où est ma mamie. Je sais même plus où est ma mamie. Mais tranquille, je vais m'y retrouver. Ah si, c'est bon, c'est au bout de la rue. Parfois, j'ai l'impression d'être conne quand je fais ça. Je vous jure, là déjà, en plus, j'ai mis des chaussures. Je n'arrive pas à marcher avec. On dirait une meuf qui ne sait pas marcher. Je me tords la cheville à chaque pas là. Meuf en train de... Oh putain. En train de mettre des bottines. Mais là je souffre des pieds. Là, mes doigts de pied, ils sont skitchés comme ça. C'est pas ouf. En plus, on me regarde parce qu'ils se disent... Putain, elle parle à un téléphone, elle est pas normale. Écoutez, le regard des autres, on s'en fout, hein, clairement. Là, j'arrive chez ma mamie dans une minute. Donc on se retrouve chez ma mamie. On se retrouve, il est 13h30. Là, je viens de finir de passer... de manger tout simplement. Donc je vous propose qu'on passe à une petite activité de décembre, j'ai nommé le calendrier de l'Avent. Moi j'en ai deux, enfin en fait on avait trois. Donc ma marraine pour mon anniversaire, je suis née le 17 octobre. Ma marraine pour mon anniversaire m'avait offert le Yves Rocher, du coup je l'ai fait en novembre. Voilà, parce que parfois je fais ça. Et du coup ma maman aussi pour mon anniversaire m'avait acheté le Blissim 2021. Mais du coup lui j'ai préféré le garder pour décembre et j'ai aussi le Kinder bien évidemment. Blissim est juste là, donc on va le chercher ensemble tout de suite. Voilà. Rien de plus simple. Voilà à quoi il ressemble, il est juste incroyable. Donc c'est Blissim Christmas Night. On va essayer d'être un peu mieux cadré avec le petit B de Blissim bien évidemment derrière. Donc voilà comment il se présente. Il est incroyable. Donc aujourd'hui nous sommes le 20. Case 20. Du coup c'est sous forme de petite boîte comme ça. On a eu Body Milk with Organic. Je comprends pas l'anglais. Donc du coup c'est du lait pour le corps et j'aime trop. J'aime trop trop trop. En tout cas le packaging a l'air incroyable parce que oui du coup Blissim c'est du coup qu'une marque de cosmétiques, beauté, etc. Et je suis extrêmement contente. Voilà, du coup demain on sera le 21. Donc écoutez, on ouvrira le 21. J'ai juste qu'une hâte, c'est d'ouvrir le 24. L'année dernière le 24 j'avais une palette pour les yeux et tout. Et elle était incroyable, elle est incroyable. Donc très contente, enfin, très 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 contente de cet petit épisode calendrier de l'Avent. Écoutez, moi je vous reprends pour continuer cette journée quand je pense ma cousine va arriver chez moi vers 15h, 15h30, 16h. Donc à tout à l'heure. Bon, bah, une gapette. Wow. Oui, un peu, ouais. Wow. Tu me prends photo? Non, non, je prends vidéo fouf pour mon vlog. Malin. Yeah. Philippe, tu vas tomber. Putain, mais quelle est... Lèche la vitre. Viens fou, tes caps. De malade, quoi. Mais enfin, Philippine, mais t'as perdu le sens commun. Pour combien tu débranches les guirlandes? Ok. Non. Il m'a dit pour combien tu débranches les guirlandes? Ça. Salut. Elle est en train de boire un peu. C'est trop stylé en fait. Mais regarde. Putain, mais on fait que des conneries. Regarde, je suis où? Salut. Alexandre. Mon beau sapin. Salut. Wesh les gens. Attends. Salut. Attends. Ah mais... Alexandre, je suis dans la bulle. Non. Moi j'ai mon téléphone. Salut. Quoi? Ouais. Ah. Peur. Le fait de coiffer tu fais peur.
Mais Philippine, mais viens là. Tu vois comme il est malade. Johanna Ortiz. Dernière sandwich. T'as vu ça où? Là, c'est un expresso. Ah, mais c'est un truc de linge. Ah merde. Enfin Victor. Ouais, mais nous on fait un truc ensemble. Johanna Ortiz. Ouais, c'est un truc de. Johanna. Mais c'est quoi ces horaires? Ma! Bah, les couilles, on s'en bat les couilles! Oh, wow! Je crois qu'ils ont honte là! Hi guys! I'm Sherry D'Amelio! Coucou guys! Pardon. J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid! Ouin! Dans la vidéo d'aujourd'hui, guys. On va réagir au nail art. Ah putain. Mais quel déhanché. Il est beau ton pantalon. Ça se voit que tu es très à l'aise. Regarde. Ah ben là. Je suis en cours de sport. Tout à l'heure, tu sais, quand je suis allée chez mamie. Et bah, il y a tous les gens qui me regardaient comme ça. Parce que je parlais à mon téléphone. Ils étaient... Mais moi, tu parles. Ah oui, parce que t'étais en train de vlogger. Mais oui, parce que je racontais qu'en fait, mes talons là, j'arrivais pas à marcher du coup. On a... Oh, j'ai un Ricola. Attends, il faut que je vois ici, mec. Hermès. Mais j'ai honte de toi. Je sais, sérieux, attends, je sais que ça se voit pas comme ça. Bah ouais. Quel mec. Bah, les mecs devant lesquels je me suis totalement ridiculisée. J'ai honte. Mais je peux croire qu'on est dans une comédie romantique de New York. Bah bien sûr. C'est évident. Les gars, là on est devant une manif. Regardez tous les flics. Du coup là il doit être 17h à peu près. Là on vient de rentrer. Vous pouvez voir là on est en train de jouer aux jeux vidéo avec Fouf. Elle est en train d'aller se chercher un coca en haut. On joue tranquille et puis après je vous fais un petit haul de ce qu'on est allé acheter chez Pimki. J'aime trop, j'ai trouvé ma tenue de Noël. Donc je suis extrêmement contente. Donc là on va se faire un petit jeu et puis ensuite je vous fais un petit haul. Donc là il est 19h et je vais aller prendre ma douche. Mais juste avant de clôturer cette vidéo, je vais vous faire du coup le petit haul Pimki. Moi j'aime trop cette marque. C'est là d'ailleurs d'où vient ce pull, ce short, etc. Je sais pas si je vous ai dit mais Philippine est partie. Donc voilà le premier article. Donc c'est un pull effet du coup bah marinière pull avec des petits boutons côtelés, enfin pas du tout côtelés en fait comme ça. Donc du coup le pull voilà il y a des petits motifs et donc les bandes elles sont pas noires, elles sont bleu marine. Donc je l'ai pris en S, voilà donc il a coûté 29,99€ moins 30%. Ce pull c'est tout simplement en fait le cadeau de Noël de ma grand-mère. Donc je l'ai eu pour Noël de ma grand-mère. Mais du coup elle me l'a acheté parce qu'elle avait toujours pas de cadeau pour moi. Donc du coup voilà mon cadeau de Noël de la part de ma grand-mère. Ensuite un deuxième pull, un gris tout simple. Lui on l'a pris en S également et du coup il a coûté 19,99€. C'est le même que lui mais en gris tout simplement. Voilà, voilà. Donc je suis beaucoup trop fan de ce genre de pull. Genre, c'est hyper doux et tout. Non, j'aime trop. Attention, puisque là, il faut que je sorte un dernier article. On a trouvé ma tenue de Noël. Donc bah moi, logiquement, je suis fan de ma tenue de Noël. Donc c'est un ensemble. Donc, en premier, la jupe. Regardez-moi ça. Elle est trop belle. Donc c'est la jupe Pimki, hein, le chiffre en fait, voilà. Donc on l'a pris en taille 34 parce qu'il n'y avait plus que cette taille et c'est ma taille. Non, normalement je fais du 32 en tour de taille, mais du coup bah là on a pris du 34. Elle est un poil grande au niveau de la taille, mais c'est pas grave. Elle a coûté 22,99€, donc ça vaut vraiment le coup. Donc elle est bah, comme ça, en espèce, comment on appelle ça? J'ai plus le mot. Écossais, voilà exactement. Donc du coup c'est une petite jupe comme ça plissée écossaise. Donc c'est une mini jupe donc elle m'arrive au-dessus du genou. Voilà, de toute façon après j'essaye toutes les vêtements. Dernier du coup, pour accompagner cette fameuse jupe, j'ai pris un haut col roulé. Alors ça fait des années que j'ai pas mis un col roulé. Je pense que ça me va. Enfin en fait, je sais pas. je sais pas. Donc il est fin comme ça et donc du coup il est rouge. Donc vous allez voir, de toute façon pareil, je vais le porter. Ça va trop bien. Donc voilà ma tenue de Noël. Maintenant,
On essaye tout ça. Et voilà, du coup, le premier pull. Donc, du coup, c'est le gris. J'ai monté sur la chaise pour vous montrer. Donc, du coup, c'est un pull grand. Enfin, il arrive bas. Donc, du coup, moi, je pense que je rentrerai dans un jean. Donc, ça ferait... Là, c'est un short, mais voilà. Ça ferait un peu effet comme ça. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup trop. En fait, tu vois qu'il est confortable. Maintenant, on va essayer, du coup, le pull marinière. Sur la chaise, en essayant de ne pas me péter la gueule. Du coup, bah pareil, ça, c'est un pull beaucoup plus court. Mais voilà, j'aime trop, trop, trop aussi. Dites-moi ce que vous en pensez, du coup, là, avec les petits boutons et tout. Franchement, je suis fan. Et la tenue tant attendue. Attention, je vais me changer. Voilà l'ensemble. Alors là, ça se voit pas du tout. Du coup, je vais vous mettre dans un autre plan. Excusez-moi pour ce cadrage. Mais du coup, voilà ma tenue de Noël. J'aime beaucoup trop. Avec du coup la mini jupe. Ça m'arrive ici. C'est largement sur les genoux, mais moi j'aime trop. Le pull du coup col roulé. Voilà. Donc moi ça me choque pas du tout. J'aime trop trop trop. Et du coup, je le porterai aussi avec un collant noir. Mon look de Noël. J'aime beaucoup beaucoup trop. Dites-moi ça, tout ça dans les commentaires. Un collant noir puisque bah il y a du noir sur la jupe. Donc vraiment, j'aime trop trop trop. Sur ce beau haul, moi je vais vous laisser là. J'espère vraiment que la vidéo elle vous aura plu. J'espère que ce petit vlog de ma journée vous aura plu. Donc du coup, comme vous l'avez vu aujourd'hui, cette vidéo sort un mercredi. Et pas du coup, si ça vous fait plaisir qu'il y ait plus de vidéos voilà comme ça pendant les vacances. En tout cas, j'ai trop 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 aimé les vlogs. Vraiment, c'est mes vidéos préférées à tourner. J'aime trop raconter ma vie et tout. Du coup, quant à moi, je vous fais de très très beaux bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.